Bon les gars, vous commencez à comprendre et à connaître mon attrait pour le fait de créer des nouvelles teams, pour trouver des nouvelles choses sur le jeu avec des trucs fun. La vérité, alors on a souvent trouvé des trucs fun et tout, là c'est juste un truc complètement broken. C'est-à-dire que là on a trouvé une team qui est complètement broken, je rigole même pas. Déjà regardez, j'ai quasiment pu, je suis en train de mettre des PZ que j'ai en stock sur le perso, je peux quasiment le mettre 10 étoiles, mais bon c'est déjà pas mal. En fait les gars, je me suis dit dans quelle team le perso pourrait briller, sachant qu'en plus de ça j'ai pas des équipements de fou sur lui, mais vous allez voir c'est n'importe quoi. Dans quelle team il pourrait briller et qui manque d'un élément comme lui. Et ben, je me suis dit putain, mais cette team c'est LOE. En fait il manque tout sauf ça, en fait il manque un perso rouge blast. Sachant que l'ancien c'est Freezer, donc voilà. Je me dis go partir là-dessus. En plus, ça le perso il cap Z ennemi puissant. Donc, même si je le joue pas, ils sont tous ennemis puissants. Donc, même je suis même pas obligé de le jouer. Et là, je suis tombé face à des teams. C'est n'importe quoi qu'elle ma team est forte. Regardez bien sur quoi je suis tombé. Regardez bien la team tag Whis avec Migaté 14 et le tag 12 étoiles. Je vous laisse juste regarder la game pour que vous compreniez à quel point la team est complètement pétée. Genre vraiment. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le jouer avec tous. Hein. C'est-à-dire que t'as vraiment la roue des couleurs. Ils sont tous blast. Ça fonctionne super bien. Les mécaniques marchent super bien. Les pivots que donne la team LO, ils sont universels. Tu peux le jouer partout. Et regardez bien la sauce qu'on va lui mettre hein, à notre adversaire. Hein. Vous avez vu les étoiles hein. 12 étoiles le Taxiborg ici. Migaté, 14 étoiles. Hein. Regardez bien. Et la team, c'est full équipe. C'est full Cap Z Zenkai, hein, vraiment. Mais enfin, c'est. Il y a un moment où. C'est juste n'importe quoi. Vraiment, je pensais pas que ce soit possible de caler ça sur la team. Regardez ça, regardez Bou, il continue, parfait, nickel. Là, on a le main, on voit qu'on a l'aspect à mid-range. Oui, pour l'instant, il nous a pas touché encore une fois. On met l'aspect à mid-range. Hop là, déjà, on lui met ça dans la tête, déjà pour commencer. On lui met la pression ici, on esquive direct. Là, on a juste à partir sur Bou, on break. Et sauf qu'il switch pas, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Derrière là, on se fait attraper par son perso. Nous, on a juste à mettre Freezer pour la cover. Voilà, on a absolument rien à craindre du Rising Rush. Et en plus, ça, on peut le contrôler avec notre Freezer Fooper qui détruit des DB. Mais j'avais pas rejoué LOE, mais c'est complètement débile LOE. Hein, vraiment, c'est. Jouer LOE hein, si vous voulez jouer une team opti, les gars. Enfin, une team vraiment forte. Hein. Il y en a qui ont dû abandonner leur LOE. Sincèrement les gars, n'abandonnez pas votre LOE, c'est trop fort. Déjà regardez, on va lui mettre la pression ici, on a la verte en main. On sait qu'il veut SP ouverte. Mais en fait il a strike, donc rien à voir. Et là voilà, on l'attrape, on termine la game. De toute façon, on tuait Whis et derrière on avait le RR. Et on pouvait RR avec full power et il était mort. C'est complètement pété, et vraiment full power. Mais masterclass, vraiment. Full power LF masterclass, anti-survie au chaos, c'est trop fort dans la méta. T'as une team complètement blast alors que 90% voire plus des covers que t'as dans la méta actuellement, c'est toutes des cover strike. Toi t'as cover, t'as que des blasts dans la team, c'est super fort. Golden Vert, on l'a bien étoilé. Je vous dis hein, en plus ça, regardez les équipements que j'ai sur la team, c'est pas masterclass hein. Lui, bon lui j'ai des vrais équipements dessus, y a pas de problème. Lui j'ai des vrais équipements dessus aussi, c'est quand même pas mal. Bon c'est pas une full opti mais c'est quand même pas mal. Lui c'est pas mal aussi, nouvel équipement A. En plus de ça, vous allez dire ouais mais si tu croises en vrai y a une team qui peut t'embêter, c'est SSJ avec la SSJ quoi. Et en fait non, parce que vu que t'as chill dans la team tout le temps. Bah c'est trop fort d'avoir tilt avec Golden Vert, c'est n'importe quoi. Et lui, bah regardez l'équipement que j'ai l'équipement A en A, je vais le mettre S, je pense que je vais aller farmer la direct. C'est complètement broken, donc n'hésitez pas à un petit pouce bleu et à vous abonner. Et n'hésitez pas à tester ça, vous allez voir dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Et ben c'est parfait pour expliciter parfaitement ce que je venais de vous dire. Alors là, le meilleur matchup je pense, selon moi, c'est pas de mettre Freezer LF, parce que j'adore Freezer LF, hein, il est super fort, il a 9 étoiles en plus, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de persos qui vont pas prendre ses vertes, donc ça peut être vite un peu relou. On va commencer comme ça, c'est-à-dire on va mettre Golden Vert en premier, je pense que c'est le meilleur perso à mettre en premier, parce que bon, après il est nullifié, mais si tu mets du début et que tu attrapes pas, ça sert à rien et vaut mieux le mettre après. Donc bah, on va commencer comme ça, et vous allez voir que Full Power va être trop fort sur Rising Rush. Bon, allez, espérons que ça lag pas trop, parce que ça a mis quand même pas mal de temps à charger la game. De toute façon vous voyez déjà en face hein, 3 cover strike, déjà vous êtes à l'aise avec ça. Donc, alors lui, ça me bat les couilles. Tackle ici. Ok, pourquoi pas. Oh là 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 là, my god. Cette team en termes de dégâts. Et là, on a le Rising Rush. On... Voilà. Anti-cover, bah il est oublié. Bon, bah ciao. C'est ciao. Allez hop. Hop.
Hop, on met les cartes quand même, c'est gratuit. Rising Rush ici. Il a oublié, c'est pareil, bah là c'est de sa faute, c'est qu'il a vraiment oublié la mécanique du perso. Derrière, vous êtes lock par Gogeta. C'est souvent une situation qui est un peu relou. En vérité. Ah bah. Bon. Bon, après voilà. Hein. Bah voilà, bon, je voulais vous l'expliquer différemment. En fait, je voulais vous dire si t'es lock face à Gogeta. Bon bah voilà. Que t'as Armor Blast et que derrière t'as Régénération de TP, bah c'est complètement broken, vous avez vu. Ça allait trop vite pour lui, hein. Ça allait trop vite et il a oublié l'anti-cover. Et en fait, ce qui est trop fort, c'est que quand on joue Buan, on est tout le temps à dire putain, on n'a pas d'anti-cover et tout. Ce serait peut-être un peu fort, c'est vrai, mais on est toujours à se dire ça. Et en fait, là, bah, Golden Bear là dans la team, donc c'est super intéressant. Ah bon? Ah bah là, ah bah là, ça va être très rigolo, tiens. Ah oui, c'est bah voilà ce que je lui disais, puis la vidéo SSJ. Ça va être très très drôle. Ah, on va s'amuser. Donc là, le frérot en face nous offre 70% pivot. D'accord, ok. Ok, ok. Alors là, on a qu'une cover blast. Oh non, 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 je suis trop con. Ma cover. Je crois qu'il m'a perfect. Oh, il m'a perfect. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh non, mais là, là, faut pas abuser, là. Je viens de faire n'importe quoi. Non. On grid pas, on grid pas, on grid pas. On n'est pas mort, c'est le principal, heureusement. Parce que sinon, j'aurais eu un petit peu le démon, là. Par contre, le fait qu'il a attaqué direct, c'est super bien joué. Je pensais qu'il allait cover. Oh non, chill, deux résiste là. Alors là, c'est la merde. D'accord. Eh oui. Je me doute bien, oui. Non, en plus, on met la torpeur. Et, torpeur et on peut stun, hein. Allez hop. Heureusement pour lui. Allez bouh, allez bouh, termine-moi cette game, t'as détruit toute la team avec 70% pivot, t'es complètement stupide. Allez, c'est terminé. Rendez les armes, monsieur, s'il vous plaît, mettez les menottes végétaux au rendez-vous. Il y a un perso en face qui est trop fort de vous, c'est votre ennemi en plus de ça, c'est RP. Et c'est notre ami Buan qui va clore la game ici, voilà, très fort. Hein. La torpeur, je sais pas si elle a proc, mais le mec là, il pouvait, il a torpeur, plus se trouve, il pouvait prendre... Shield est vraiment fort, putain. On a, en plus, on a trop mal commencé la game. Hein. Eh oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc là, c'est pareil. On peut rien dire, c'est une grosse team. Alors, cette fois-ci... J'hésite à partir avec Freezer Revive quand même, pour le coup. Même Freezer LF ici. Je pense qu'on va pas prendre full power dans cette game. Après, Golden Bear ici, il est fort, hein, je pense. Hein. On va partir avec... peut-être plus Golden Vert quand même. Vas-y, on va réessayer comme ça. C'est parti, let's go. Ouais, ça commence bien. Ça commence bueno. Allez. Non, mais... Cette team, c'est n'importe... Wouah. Non, mais heureusement, il a trop de chance que... Enfin, il a trop de chance, c'est pas vraiment de la chance, mais t'as compris. Oh là là, si on l'avait attrapé ici aussi. Il a de la chance qu'on n'ait pas... Qu'on n'ait pas carte verte, ça a été foutu là. Oh là là, mais putain, mais en plus c'est hyper étoilé toi en face. Oh, c'est abusé. Attention là, attention. Ok, parfait, merci. Ah mais c'est trop fort là. Main Spay est mort, je pense. Bah voilà. Bah ouais, mon ref, hein, mais bon, t'as une team qui est trop forte là en face. C'est trop fort. Les gars, je vous dis, c'est complètement pété. Hein. Et Buan, il est sur-cheat dans ce team. C'est n'importe quoi. Ah, mais moi, je veux Buan 14 étoiles et je veux la team 14 là. Bon, par contre, je peux bien prendre. Oh bah là. Oh bah là, oui, bah là, je vous explique même pas le. Oui, bah, d'accord.
Je vous explique même pas l'histoire. Basse. Je sais pas s'ils détruisent encore les DB là l'histoire. L'artiste. Ok. Et ben je pense que messieurs dames c'est un légendaire et fini. Ah, peut-être un poil léger. Peut-être un poil léger face à son gros migaté. Ah, oh bah si, j'ai rien dit, excusez-moi, c'est le légendaire finish. Non, mais. Après, il fait trop mal, l'ulti de Freezer. C'est la balade, hein. C'est la balade, c'est la balade. C'est la balade face à des team top ladder. C'est n'importe quoi. Je trouve cette team trop forte. Vraiment, ça fait trop longtemps que j'avais pas joué. Et le fait de rapporter un gros cogneur blast comme ça, que t'es même pas obligé de jouer, parce qu'en vrai, là, je joue pour showcase, mais il y a des moments où je suis pas obligé de le jouer en vérité. Donc bon les gars, il y a Badak, mais en vrai Badak, je me demande s'il est là encore. Oui, non, c'est, je pense qu'il est pas là pour il est là pour le pour la 4Z juste. Ah, je vais m'en vouloir hein. Cette fois on part comme ça. On va essayer comme ça cette fois-ci. Bon, Badak était bien là pour la 4Z, mais bon, en fait Shield a quand même un bonus quand tu es face à OCJ et ils sont tous OCJ. Bon, c'est moins fort que voilà, mais bon, vous savez quoi, on va essayer de tenter le stun. Oulala, là là, ok. Pas si grave. Alors là, le problème, voilà, c'est que là, par contre, Boan est un peu loin. C'est vrai que Fooper, c'est vraiment un bon off-tank, hein, ça se voit. Et si on fait descendre sous notre barre, on va se soigner derrière. Chill, il a un bonus quand il meurt. Je me demande s'il soigne pas derrière. Ok. Oh, bien joué. Ah oui, là, t'as abusé en face. C'est abusé. La team fait trop mal. La team fait trop mal, les gars, c'est nimp. Ok, on met Fooper ici. Ok, une deuxième. Passe. Je pense pas qu'on prenne le kill, je sais pas, la team fait tellement mal que j'en sais rien, mais bon, peu importe. Dommage. On aurait dû t'en attendre ici, je crois. Enfin, je sais plus, je m'en rappelle même plus. Je m'en rappelle même plus, il va peut-être vouloir être offensif là-dessus. Non, il esquive ici. Il perfect dodge même plus qu'il esquive. Donc là, au revoir team, je crois. Ouais, il soigne la team, c'est bien ça. Ok. Ta tackle ici. Ah, il a grid complet en face. Et voilà, on a récupéré notre TP avec les blasts. On a récupéré notre TP avec les blasts. Je sais pas pourquoi il a tackle, c'est peut-être pas fait exprès, mais on a récupéré notre TP avec les blasts, ce qui fait que derrière il se dit bah c'est bon, je peux enfin l'attraper. Il va encore au cheat, mais non, c'est pas, c'est vraiment pas du cheat, récupération de TP. Je me demande si le main de chill d'ailleurs, si on l'avait activé, je crois qu'il augmente la vitesse de régène de TP, donc ça va peut-être marcher aussi. D'ailleurs, il y a ça qui marche très bien, parce que quand t'as les blasts qui te régènent ta TP, plus le passif de chill là qui t'augmente la vitesse, mais je sais pas si ça marche sur les hors LO, j'ai pas du tout regardé. Non, mais et c'est la fête, c'est la fête. Bon, au moins, vous voyez, hein, c'est la fête au village. Bah là, c'est bon, on repart sur le trio de base. Hein, Je pense qu'on fera quand même une dernière game pour jouer Freezer Revive, je pense, quand même. Bah, allez, hein. Allez, ici, on va tenter le stun, je sais pas ce que vous en pensez. Oh non, je me suis fail. On va rien tenter du tout, on va vite se calmer. On va vite se calmer, alors. Ok. Ok, on a trop bien joué ici. Allez, on tape, on tape, on tape. Ce refrain qui te plaît. Et Golden, tu tapes, tapes comme un sourd enfoiré. Allez, on continue. C'est la fête au village. Moi, je vous l'ai dit, c'est la fête. Hein. Allez, let's go. J'ai l'impression d'être invincible. Alors, c'est faux, hein, c'est complètement faux, mais j'ai cette impression-là. Ok, on va blast, terminer le combo.
Elle est en mode, ah, ça finit le combo. Et ben non. Parce que lui, déjà, il te rentre sur scène, il te dispel pour commencer. Donc quand tu joues SSG, bah, c'est extrêmement relou. Et ça y est, il m'a attrapé. Alors là, j'aimerais bien mettre Full Power juste pour en fait pouvoir cut une DB. Sauf que Full Power, il est loin. Et ben on va cut la DB comme ça, les gars. Hop, là, on lui enlève une DB. Donc là, l'avantage, on est en train de le faire au niveau des DB, il n'y a pas de problème. Ah, le petit perfect ici, petit gros perfect quand même. Allez, on détruit les DB, on lui a détruit 2 DB, donc là, aucune chance de se faire Rising de l'œuf, celui. Et là, au moins, t'es sûr, t'es, t'as ton Furious Popper qui est safe. Enfin, je dis ça, mais il m'a fait tellement de cartes, la Badak, que... Non, mais... Badak ! Oh, mais Badak, ce qu'il m'a fait, là ! Mais quel roi, Badak ! Quel roi ! Trop fort ! Et, waouh, il m'a fait me tuer, en vrai ! Sérieux ? Bon, bah c'est à partir de maintenant que ça part en couille. Allez, Rising Rush. Ok, ça c'est logique. On est en train de tout faire avec Full Power. Le Full Power, j'adore le perso. Et son équipement, il est complètement broken. Et même la team qui fait que maintenant, il est complètement meilleur. Et bah là, on a tué SV. Et j'ai l'impression de me sentir invincible. Encore là, heureusement, c'est... on aurait pu se faire tuer. Ouais. Mais bon. Ah, le kill est fait. Alors là, on peut se faire tuer Buan, en vrai, c'est moins dérangeant. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah oui, Nullifiti, super bien joué, en vrai. Même plus que bien joué, c'est super bien joué. Ok. C'est terminé. Ciao, Buan. C'est pas grave, t'as fait la gueule. Il a récupéré sa TP, là. Oh, le roi. Oh, le roi! Et là, full power, bah full power. J'ai envie de vous dire full power. Et on a gagné, hein, c'est LF. Ici, je sais que ça te fait chier. De toute façon, au pire, on a le Rising Rush encore. Mais il s'arrête quand, full power? Il y a un moment, monsieur, il faudrait s'arrêter. Et ton insolence va te coûter cher. Hop, au revoir. On a encore gagné. Je vais faire une dernière game avec Freezer Revive et on aura encore gagné. Peut-être, je sais pas, c'est oui. Végétaux rouge. Végétaux rouge. Vraiment. Vraiment végétaux rouge. Bah vas-y, on va tenter Golden Vert. J'ai pas joué Tenshian, mais en tout cas, putain, lui il est fort. Hein. Oh, lui il est bourré. Enfin, il est pas bourré, hein, c'est juste qu'il... Ouais, t'as oublié ça. Ça a lag au début, ça s'est arrêté, il est passé sous un tunnel. L'aspect qui nous est fit type et qui peut stun, on rappelle. Hein. Est-ce qu'il va strike ici? Mais à quoi ça sert de faire ta carte verte? Et là, je comprends rien. Cool, il est là. Attention les gars, l'alcool c'est pas cool. L'alcool c'est pas cool. C'est trop. Hein. Ciao. Oh non, tu m'as déçu. Ah non là, ah non, alors là non, on n'est pas content là. C'est reparti pour un tour. Tu l'as golden, niveau drôle. 2 minutes, hein, vraiment. Bon, on va continuer de taper. Hein. Oh, le combo de zinzin. Je suis en train de voir là dans ma tête. Vous l'avez vu? Bah oui, vous l'avez vu. Non, mais le combo de zinzin. Je sais pas s'il gagne du kill. Oh. 60. Aïe aïe aïe. En fait, Freezer Revive, il rapporte un truc, c'est du ki dans la team, c'est trop fort, putain. Vraiment, il arrive à vachement lier la team avec le ki parce que. Je me demande si. Ouais, il en a l'entrée en scène. Non, il en donne pas, il donne un pivot, mais il doit pas donner le ki, je pense. Ça serait peut-être un peu trop. The Rising Rush, je vais trop rouge, je vais pas laisser en vie. Mais... Il sert à rien de toute façon. Donc que je Rising Rush ou pas. Ouais. Main là, quand même. Tu as main là, non? Bon, bref, qu'est-ce que tu fais?
Oh, je suis KO, putain. Allons, gagne le clash. 69-70. Oh, c'est bien un endroit où je peux perdre, c'est bien en clash, parce que vu que je suis éclaté au sol. Oula. Allez, c'est ciao. Alors toi c'est ciao. Alors toi, vas-y, merci, au revoir. Bon, contre-type plus Gogeta en dernier. Bon, ça forcément, ça donne ce genre de choses un peu... un peu obscène, même si je peux me permettre l'expression, c'est presque obscène. Oui, bon bah voilà. On a gagné, sachant qu'il nous reste Golden Vert et Freezer Rival qui a même pas proc sa rival. Est-ce que vous avez d'autres problèmes avec cette team? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais aller chercher top 10 000 avec, franchement c'est froid, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Vous avez vu 70 combos? Il a dû casser sa tête contre un mur, vraiment, parce qu'en fait on a refait notre main, après on a mis Book. En fait, ce que j'aurais dû faire pour faire encore plus de cartes, c'est quand j'ai mis Golden, c'est switch sur Freezer qui switch sur Book. Et là par contre on aurait pu refaire toutes les blasts. Bon après c'était peut-être déjà un peu trop. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé les gars, je fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et